Salut les manchots, présentation de Linux Mint Debian édition version Cinnamon. Alors c'est parti pour un petit tour rapide de cette distribution. Nous sommes sur une version Cinnamon, c'est la même chose pour la Linux Mint version officielle qui est basée sur Ubuntu. Nous allons tout de suite aller voir dans les paramètres Internet ici et dans Applications Web. Et nous allons lancer une application web, c'est ce qu'il est possible de faire avec ce système. Donc là par exemple, je rajoute une application web, j'en ai déjà préparé une avec Htop. Ici je vais mettre un nom, c'est le nom que vous allez choisir, hein, vidéo Quimperlé. Ici j'ai préparé un site Internet. Voilà, c'est les vidéos de Quimperlé, et là vous mettez une adresse web que vous avez récupérée sur Internet. Vous faites coller, donc là c'est mon adresse de mon site YouTube, donc catégorie Internet, navigateur Firefox, vous ne changez rien. Vous rajoutez la barre de navigation, sinon vous n'allez pas pouvoir naviguer et sortir de la page une fois que vous l'avez lancée. Et là je fais OK. Ensuite c'est très simple, là je vais lancer Htop pour vous montrer le site que j'avais déjà préparé pour Htop. Hop, un double clic. Et là, nous avons accès directement à ma page web que j'avais collée dans le navigateur. Et là, nous allons tout de suite aller voir ce qui se passe pour Linux Mint Debian Edition. Alors, ce n'est pas une distribution très légère, comme on peut le voir, 0,95, 950 mégas de consommation mémoire à vide. Et au niveau du rendu vidéo, on est assez long, 5 minutes, donc c'est le plus long que je trouve au niveau du rendu vidéo. 4.58 on est pour Ubuntu, et là on est à 5 minutes 11, et quand on est avec un test en charge ici, on est encore plus élevé, 11 minutes. C'est pour cela qu'on voit la charge ici qui est à 8.44 et la mémoire à 2.78, donc on ne retrouve pas toute la mémoire assez rapidement. Alors, pour le raccourci web que nous avons ici, vous avez vu, c'est un raccourci. Donc là, j'ai préparé ce raccourci là aussi. Ça, c'est pour aller sur mon site directement de YouTube ici. Hop, j'accepte. Et là, vous avez directement accès à des sites internet par le raccourci web que vous avez ici. Ensuite, vous pouvez faire un clic droit sur le raccourci que vous avez ici. Vous pouvez l'épingler au tableau, au panneau, pardon. Là, je l'ai mis en raccourci ici. Donc, si je vais lancer directement le raccourci, par exemple ici, application web, c'est celui que j'avais tout à l'heure avec, je lance Firefox, et voilà, c'est parti, j'ai un accès direct au site internet ici. Alors, bien sûr, ici, on peut le changer ici, le petit icône que vous avez ici, vous faites la petite éditer ici, le petit crayon. Là, vous cliquez sur l'icône, et puis en fin de compte, c'est tout simple. Vous cliquez sur Appareil, vous pouvez mettre un casque, vous pouvez mettre un nom, une icône d'application ou une icône de catégorie. Vous voyez, c'est assez sympathique à utiliser pour faire un raccourci d'une page web. Alors, faisons un petit tour rapide des accessoires. Donc, la calculatrice, comme d'habitude, est présente. Un clic droit, vous pouvez l'ajouter au panneau. Le panneau, c'est ce que vous avez tout en bas ici. Vous pouvez l'ajouter aux favoris, ça c'est sur la gauche, hop là, sur la gauche, je l'ai rajouté aux favoris ici. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les accessoires? La capture d'écran, bon c'est du classique, quelque chose qui fonctionne, il n'y a pas de souci sur ce système, c'est quelque chose de vraiment fonctionnel. Vous avez un logiciel pour faire des créateurs de clés USB. Donc ce logiciel vous permet de créer des clés USB avec une image ISO. Vous mettez une image ISO ici de votre système que vous voulez graver sur votre clé USB. Par exemple ici, moi j'ai des images ISO qui se trouvent ici. Hop, vous pouvez mettre la Debian facile par exemple sur une image ISO et la graver sur la clé USB pour pouvoir démarrer sur un système. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours une clé USB avec un système pour pouvoir démarrer en mode live. C'est toujours une sécurité pour pouvoir consulter son système en cas de plantage. Donc ça, c'est le créateur de clés USB. Alors, ne pas confondre avec un autre système qui se trouve ici, un formateur de clés USB. Alors, formateur de clés USB, c'est pour formater vos clés USB. Là, je n'ai pas branché deux clés, mais c'est pour formater des clés. Vous les formatez en FAT32, en NTFS. Bon, maintenant, je formate mes clés plutôt en NTFS. Comme ça, elles sont compatibles avec Windows et Linux et je peux y mettre des gros fichiers sur ces clés USB. Ensuite, dans les accessoires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le logiciel disque, c'est du classique. Ce logiciel disque, c'est très pratique à utiliser pour consulter son système. Donc là, j'ai été obligé de faire un petit peu de ménage. Comme vous voyez, là, ici, j'ai tout enlevé les systèmes que j'avais installés, car je suis en train de faire des nouveaux tests et je n'avais plus d'espace suffisant avec les 20 Go que je préparais à l'avance.
Là, j'ai mis mon système Ubuntu en version de test, la 22.04, hein, mais là, elle utilise maintenant 40 Go. Donc, c'est pour pouvoir l'utiliser un peu plus sur le long terme. Et là, je vais être obligé de faire des partitions de 30 Go, hein, pour pouvoir tester mon système, car les partitions de 20 Go n'étaient plus suffisantes. Elles étaient remplies assez rapidement avec toutes les mises à jour. Donc là, je vais passer avec des partitions de 30 Go pour pouvoir faire des tests un petit peu plus longs et je vais lancer des nouveaux tests pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires sur les systèmes entre les différentes versions de Linux. Par exemple, ici, j'ai lancé un test de logiciel. Voici le résultat en avant-première. C'est avec un benchmark de superposition. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et là, dans le test que j'ai réalisé, nous avons un très bon score, 2513, c'est un bon score pour la distribution. Mais nous verrons ça plus tard, c'est un test pour voir les FPS, les images par seconde, dans les jeux vidéo de préférence. Ensuite, dans les accessoires, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons le logiciel 10, ça c'est vu, l'éditeur de texte. Alors, je vous demande souvent de regarder l'éditeur de texte, pour avoir le nom de l'éditeur de texte, ça vous évitera de faire des bêtises lorsque vous allez lancer des lignes de commandes. Là, il faudra lancer les commandes sudo xz, c'est le logiciel de traitement de texte qui est utilisé pour faire des commandes. Sudo gedit, c'est quand vous êtes sous Ubuntu, mais là vous êtes sous Debian, c'est un autre logiciel qui est utilisé pour les commandes avec un terminal. Hop. Dans les accessoires, qu'est-ce que nous avons? Mot de passe, je passe, onboard police, Redshift. Redshift, donc c'est un petit logiciel qui vous permet de régler la luminosité de l'écran. Alors vous allez le lancer, vous allez avoir une petite icône qui va apparaître ici dans la barre de tâches. Alors si vous faites un clic droit, vous avez des infos, vous pouvez le suspendre et l'activer. Bon. Pour l'instant, on est à la lumière du jour, donc vous ne verrez pas la différence. Mais en fin de compte, le principe du logiciel, c'est de diminuer la luminosité en fonction des heures de la journée. Alors, si vous ne voulez pas le lancer, il faudra faire quitter ici pour l'enlever de la barre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le logiciel, le Warpinator. Alors, Warpinator, c'est pour transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Si vous avez deux ordinateurs sous Linux, il faut qu'ils soient sous Linux. Vous pouvez installer Warpinator sur votre autre ordinateur et vous allez pouvoir transférer des fichiers avec ce logiciel. Pour l'instant, mon autre ordinateur est éteint, donc nous ne verrons pas le fonctionnement de ce logiciel, mais je vous l'ai déjà présenté. Installez Warpinator sur votre deuxième ordinateur et vous allez pouvoir communiquer et transférer des fichiers. C'est juste pour le transfert de fichiers. Information de dernière minute que j'ai trouvée sur le blog de Linux Mint. Je vous mettrai les liens dans la description. Warpinator sera bientôt compatible Microsoft Windows. Vous allez donc pouvoir transférer en local des fichiers entre un ordinateur Windows et un ordinateur Linux. Très bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux Mint. Donc, dans Autres, nous avons le Superposition Benchmark. Donc ça, c'est le logiciel que je vais lancer et qui va me permettre de faire des tests de benchmark. Je mettrai ici en 720 puisque mon ordinateur n'est pas prévu pour les jeux. Donc, je n'ai pas de carte graphique spécifique sur cet ordinateur. C'est le processeur qui fait office de carte graphique. Donc là, je lance Performance, je lance 700 là-haut et je lance le rendu. Et au bout de 4 minutes, j'ai un résultat avec 10 images par seconde pour savoir le maximum d'images par seconde que je peux afficher à l'écran. Nous verrons si ce test est intéressant sur les ordinateurs. Dans la bureautique, c'est du classique. Nous avons du LibreOffice, LibreOffice Writer. Bon, mais ce n'est pas la dernière génération de LibreOffice. Nous sommes sur une version assez ancienne. C'est la version 7.0.4.2, alors que nous sommes déjà à la 7.3, il me semble. Ensuite, pour la bureautique, c'est du classique, mais vous avez tous les logiciels, ils sont au complet. Dans les graphiques, vous avez dessin, numérique de documents, Pix, Internet, nous avons fait un petit tour tout à l'heure. Donc vous avez la messagerie Thunderbird qui est préinstallée, le navigateur Firefox. Alors, pour quelques infos pour le navigateur Firefox, je vais lancer le logiciel htop. Hop, il suffit de cliquer ici sur commande. Je clique sur commande et je vais ranger toutes les commandes ici. Maintenant, je vais lancer le navigateur Firefox. Hop. Une fois le navigateur Firefox, vous retournez dans htop ici et vous allez voir que les commandes qui sont rangées ici, vous avez hop Firefox, ce n'est pas un snap. Donc Firefox n'est pas en snap. Alors sinon, une autre fonction qu'il est possible d'aller voir, c'est d'aller voir ici dans aide. À propos de Firefox, et là on le voit, c'est Mozilla Firefox for Linux Mint, Mint 0001, ils ont une version spécifique pour Linux Mint. Donc ce n'est pas un snap.
Il est un petit peu plus rapide à démarrer, il va démarrer en 3 ou 4 secondes. Transmission, c'est ce logiciel pour faire des BitTorrent. Et là, comme vous le voyez, hein, j'ai un accès direct maintenant à vidéo Quimperlé. Là, le hashtag, vous voyez, il est en raccourci aussi. Hein, il le met au bout d'un certain temps, il le met ici. Hein. Vous avez un raccourci directement sur vidéo à Quimperlé. Par exemple, je clique sur vidéo à Quimperlé. Vous voyez, vous avez un accès direct aux vidéos Quimperlé. Et comme j'ai mis que je pouvais avoir accès à la barre Internet, hein, je peux quand même consulter mon navigateur Internet avec. Sinon, c'est que la page qui s'ouvre et sans accès à Internet. Ensuite, dans son et vidéo, Celluloid, c'est le logiciel qui sert à lire les vidéos, qui est fonctionnel. J'en ai pas eu de soucis au niveau du son avec ce logiciel, même si au départ j'avais des soucis avec mes cartes son. Mais une fois que vous avez réglé les problèmes de compatibilité, tout fonctionne sans souci. Innotix, je vous l'ai déjà présenté, mais il est très intéressant ce logiciel pour regarder des émissions de télé, même si vous n'êtes pas dans le pays. Par exemple, vous avez l'Ukraine ici qui est disponible. Ça peut être très intéressant pour certaines personnes d'avoir accès à ces vidéos. Donc, si je vais chercher un canal quelconque, vous allez avoir accès aux émissions de TV de l'Ukraine. C'est l'actualité du moment. Alors, j'ai installé le logiciel VLC. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir soit VLC ou Celluloid. Pour cela, il faut aller dans Préférences ici et vous avez Applications préférées. Dans Applications préférées, vous allez pouvoir choisir quel logiciel va s'ouvrir avec les vidéos. Là, si vous ne voulez pas utiliser le logiciel Celluloid, vous pouvez cliquer ici pour avoir lecteur VLC. C'est le lecteur VLC qui sera ouvert automatiquement lorsque vous voulez lire des vidéos. Là, vous avez tout ce qui est web, courrier, documents, donc c'est pas trop compliqué à choisir. La musique, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir les photos. Donc ça, c'est sympathique, l'utilisation des applications préférées. C'est ce qu'on utilise avec applications par défaut sous Ubuntu. Alors, votre screen, vous connaissez, c'est ce que j'ai installé. L'administration du système. Alors, vous pouvez configurer l'impression, les écrans de connexion, gestion des mises à jour. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos mises à jour. Donc, le système est à jour. Hein, pour l'instant, tout fonctionne correctement. La source des logiciels. Bon, il faudra éviter de modifier la source des logiciels. Hein, comme ça, vous avez quelque chose de stable. Hein. Et comme je vous l'ai dit, j'utilise le miroir principal, c'est-à-dire le miroir officiel, package linuxmint.com qui est américain ici. Et la base, c'est BlueSaiyus. Bon, bullshit ou BlueSaiyus. Hein. Ça ressemble un petit peu. Alors, les dépôts supplémentaires. Vous pouvez rajouter des dépôts supplémentaires. La maintenance, donc là, je n'y touche pas. Ensuite, lorsque vous voulez avoir d'autres mises à jour, en défaut, il faut aller dans édition et vous aurez des informations supplémentaires qui vont s'afficher ici. Généralement, ça c'est ici que ça va s'afficher si vous voulez passer à une version supplémentaire. Mais je ne sais pas comment il gère la Linux Mint Debian, si vous allez pouvoir passer d'une version 4 à une version 5, ça je ne maîtrise pas encore. Info de dernière minute sur la news mensuelle de mars 2022 sur le blog de Linux Mint. Là aussi, vous avez les mises à jour qui seront améliorées. Nous allons pouvoir bientôt passer de Linux Mint à Linux Mint 21 en mode graphique, ce qui n'était pas possible il y a quelques temps. Et les premiers tests seront réalisés avec Linux Mint Debian Edition. De la version 4 à la version 5, ce sera les premiers tests qui seront réalisés en mode graphique. Pour changer de version entre Linux Mint version 4 et pour passer à la version 5. Et bientôt, quand sortira la Linux Mint version 21, vous allez pouvoir passer en mode graphique de la version 20.3 à la version 21. À tester pour les prochains utilisateurs. Dans l'administration, nous avons bien sûr le logiciel HTOP et le gestionnaire de paquets Synaptic. Pour installer des logiciels supplémentaires, vous pouvez utiliser aussi Synaptic. La Logitech, c'est celle que j'utilise, qui est fonctionnelle, mais qui ne compte pas de snap. L'outil de sauvegarde. Alors là, comme vous le voyez, vous avez un outil de sauvegarde qui se trouve ici, et vous avez TimeShift. Donc on fait bien la différence entre un outil de sauvegarde et TimeShift. Donc l'outil de sauvegarde, il sert à quoi? Hop, et ben c'est très simple, c'est marqué ici, données personnelles. Vous sauvegardez vos données personnelles. Je clique par exemple sur sauvegarder maintenant. Là, il vous dit de sélectionner ou enregistrer le fichier de sauvegarde. Bon, là, j'ai préparé un dossier. Alors, attention, vous avez des raccourcis qui se trouvent ici. Si, par exemple, je clique sur sauvegarde. Donc ça, c'est une partition que j'ai préparée et qui s'appelle sauvegarde. Je clique sur sauvegarde et je ne peux pas aller plus loin. Comme vous le voyez, sauvegarde, ça ne va pas plus loin. Là, si vous voulez aller plus loin dans les partitions, pour aller à l'intérieur, par exemple, si je clique sur data, je ne peux pas aller plus loin. Je vais dans data et point à la ligne.
Là, il faudra faire autre. Et vous allez dans autre, par exemple. Et là, je peux aller dans mon dossier data, hein, à l'intérieur, et choisir des dossiers qui se trouvent à l'intérieur du dossier data. Je peux aller dans le dossier vidéo, etc. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le dossier sauvegarde. Hop, là, pour l'instant, à l'intérieur, je n'ai rien de spécifique. À l'intérieur, je n'ai pas de dossier. J'ai juste une partition qui s'appelle sauvegarde. Donc, je vais la sauvegarder dans cette partition. Et là, je fais ouvrir, sélectionner ou enregistrer le fichier. Ben, ça sera sauvegarde. Voilà. Hop, là, il me demande, veuillez ajouter des fichiers et des répertoires à la liste ci-dessous pour les exclure de la sauvegarde. Bon, document sauvegarde. C'est parce qu'il crée automatiquement un dossier sauvegarde dans le dossier document. Je vous le montre ici. Automatiquement, quand on lance ce logiciel, hein, il va créer un dossier qui s'appelle sauvegarde. Bon, c'est pas celui-là que je vais utiliser, hein, donc il exclut de la sauvegarde. Et je fais suivant. Par défaut, les fichiers et dossiers cachés situés dans la racine de votre répertoire personnel ne sont pas inclus. Alors, si je veux inclure des fichiers qui sont cachés, donc à ce moment-là, il faut aller les chercher. Par exemple, je veux inclure la configuration de Mozilla. Je clique ici sur Mozilla, je fais ouvrir. Ensuite, je fais les extensions, mais là, ça n'a pas l'air trop de fonctionner, hein, puisque je ne peux pas aller plus loin, il ne me propose pas grand-chose. Hein. Je fais suivant, mais vous voyez, je ne peux plus rien faire. Donc ça, ça n'a pas l'air de fonctionner, d'inclure les fichiers. Inclure des répertoires, alors à ce moment-là, je peux inclure des répertoires, c'est plutôt ça qu'il faut cliquer. Donc je clique sur Mozilla, je vais inclure le répertoire Mozilla, je fais ouvrir, voilà. Là, j'ai inclus un répertoire. En fin de compte, ça, c'est pour inclure des fichiers et ça, c'est pour inclure des répertoires. Là, je fais appliquer, j'ai inclus un fichier caché. Donc là, il va faire une sauvegarde, hein, du système et de tout ce que j'ai dans mon dossier document. Donc, c'est le dossier personnel ici qui est sauvegardé. Tout ce qui est ici va être sauvegardé. Vos fichiers ont été sauvegardés avec succès. Hop là, je vais aller voir pour la restauration, par exemple, maintenant. Je vais donc aller dans administration et je vais aller dans outils de sauvegarde. Là, qu'est-ce qu'il me propose de restaurer? Je vais aller voir ce qu'il y a. Choisir la sauvegarde à restaurer. Alors, je choisis la sauvegarde. Donc, il faut aller la chercher. Elle se trouve sur le disque sauvegarde ici. Et je vais pouvoir choisir backup, backup. Et là, je fais ouvrir. J'ai choisi ma sauvegarde. Non, ne restaurez que les fichiers manquants. Cette option est sûre et n'affecte pas vos fichiers existants. Oui, écrasez le changement et restaurez le contenu de tous vos fichiers existants. Bon, je vais faire restaurer que les fichiers manquants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer des images qui se trouvent ici. Hop. Elles sont supprimées, mes images. Et nous allons voir ce qu'il va se passer. Je fais suivant ici. Vos fichiers ont été restaurés avec succès. Ah bon ? Alors on va aller voir ça, si ça a été bien fait. Je vais dans mes images. Et ben vous voyez, hein, ils ont été restaurés. Donc ça fonctionne, hein, c'est quelque chose d'efficace. Hein. Toujours faire des essais, hein, pour voir si votre système fonctionne quand vous faites vos sauvegardes. Alors, donc comme vous l'avez vu, hein, ici nous avons une sauvegarde. Et c'est bien les documents qu'on sauvegarde. Et ici vous avez TimeShift. Donc TimeShift c'est différent. C'est plutôt pour sauvegarder le système, c'est-à-dire votre système Linux Mint Debian Edition. Donc, pour utiliser TimeShift, il y a deux méthodes. Alors, vous pouvez lancer l'assistant, hein, par exemple, qui va vous montrer comment configurer ce logiciel. Hein, c'est assez rapide. Hein. On choisit AirSync, on fait suivant, on choisit l'emplacement des instantanés, donc où on va envoyer les sauvegardes. Donc là, je suis plutôt sur mon disque de 500 Go et j'ai ma partition qui se trouve ici, qui est sauvegarde. Donc, je vais faire la partition P4. Donc, il faut faire une sauvegarde sur une XT4, hein, de préférence. Et on fait suivant. Ici, il peut faire des sauvegardes mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Vous choisissez votre format de sauvegarde. Là, je vais faire une sauvegarde quotidienne. Je fais suivant. Je ne sauvegarde pas mes documents personnels, hein, qui ont Home Michael. Donc ça, je ne sauvegarde pas, puisque c'est l'autre logiciel de sauvegarde qui s'en occupe. Je fais suivant, configuration complète, je fais terminer. Et là, ça sera à vous de lancer la sauvegarde. Hein. Vous faites créer ici, hein, en faisant une sauvegarde manuelle. Donc là, il va faire une sauvegarde manuelle. Hein. C'est une sauvegarde que vous aurez lancée au départ. C'est la première sauvegarde. Mais ensuite, il va faire des sauvegardes quotidiennes lui-même automatiquement. Donc ça, c'est l'intérêt de ce logiciel TimeShift. Mais pas vos documents personnels. Vos documents personnels ne sont pas sauvegardés avec ce logiciel.
Dans administration, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons fait le tour et dans les préférences, hein, bon là c'est assez complet, hein, les préférences du système, hein, bon on a accès par ici, mais le plus simple est d'aller par ce menu qui se trouve sur la gauche dans les favoris. Là il va vous ouvrir le menu des préférences et des paramètres. Donc là c'est assez complet, hein. Ici si vous voulez économiser un petit peu en énergie, hein, vous pouvez désactiver tous les effets sur le système, quand vous aurez ça vous aurez un système beaucoup plus rapide et efficace si vous avez un problème de mémoire et si votre processeur n'est pas assez puissant. Ensuite bien sûr vous avez les fonds d'écran, hein, qu'il est possible de choisir, hein. Là je vous ai mis ce menu là, hein, qui ce n'est pas celui qu'il avait d'origine, hein. Vous pouvez choisir bien sûr vos fonds d'écran, sélectionner les polices, les thèmes, et si vous avez des thèmes différents que vous pouvez choisir, hein, mais ce n'est pas ma passion, hein. Linux Mint Y, qu'on est sur le choix de Mint Y ici, hein. Mais vous avez le choix des couleurs ici, hein, ce n'est assez complet. Donc c'est du classique, hein, c'est du Linux Mint, on peut configurer sa distribution aux petits oignons, hein. On peut y passer du temps, mais c'est assez rapide à faire. Vous avez aussi les coins intelligents, ça c'est configurable dans ce système, c'est à vous de le choisir. Ensuite, c'est du classique, hein, gestion de l'énergie, l'alimentation. Bon. Là, vous n'avez pas le choix entre performance, économie d'énergie ou bien équilibré, hein. Là, c'est juste pour gérer votre écran et votre alimentation. La batterie, c'est ici que ça se trouve, et la luminosité de l'écran. Sur batterie, diminuer la luminosité, ça vous pouvez le configurer, hein, c'est bien pour l'économie d'énergie. Infos sur les systèmes, bah vous avez quelques infos ici, hein. Nous sommes sur la version 5.2.7, hein, au niveau de Cinnamon, vous aurez toujours la dernière version de Cinnamon ici, puisque vous êtes en direct avec Linux Mint, qui développe bien sûr cette version Cinnamon. Alors, la mise à jour est terminée, hein. Alors vous mettez votre souris sur le haut ici, et normalement il va afficher que c'est une opération manuelle. Donc ma première sauvegarde a été réalisée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur cette distribution? Bon, c'est un petit tour rapide, hein, que je fais de cette distribution. Je ne vais pas m'étendre sur ce système, hein, qui est du classique, hein, au niveau de Linux Mint. Là, vous avez un accès direct à vos emplacements ici, hein, dossier personnel, sauvegarde, documents récemment utilisés. Hein, vous allez pouvoir avoir accès directement aux documents récents que vous aurez utilisés. Hein. C'est assez pratique à utiliser ce système, hein, c'est vraiment du classique. Hein. Et c'est assez réactif, même si ça consomme un petit peu de mémoire, hein, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Et toujours un petit bouclier ici, hein, qui vous avertit lorsqu'il y a des mises à jour. Moi je trouve très pratique ce système, hein, pour pouvoir configurer son ordinateur et l'avoir toujours à jour. Voilà pour le petit tour rapide de cette distribution que je voulais tester, hein, car elle est basée directement sur Debian, mais pas sur du Ubuntu, hein, mais je n'ai pas trouvé que cela était très économe en mémoire, hein, par rapport à d'autres distributions que nous avons testées, hein, qui étaient basées directement sur du Debian, hein, quand je vois le htop que j'ai fait et que j'ai réalisé ici, j'ai vu que certaines distributions qui étaient basées directement sur Debian, hein, comme Q4OS, étaient très très économes en énergie. Et là, nous avons aussi une Debian facile, hein, qui est directement basée sur du Debian et qui elle aussi est très économe en énergie, enfin en consommation mémoire, je veux dire, hein. Donc c'était pour ça que je voulais faire le test de cette distribution. Donc je vais faire des tests avec ce nouveau logiciel, hein, Superposition Benchmark, et je vais comparer un petit peu les distributions pour voir si nous avons des différences pour pouvoir jouer avec ces systèmes sous Linux. Allez, je vous dis canabo et à bientôt pour une prochaine vidéo.